Épouse du prince William, Kate Middleton a toujours eu du mal à se plier aux traditions royales. La princesse a décidé de bousculer le programme de la journée de Noël le 25 décembre prochain au grand dam de la reine Elizabeth II. Comme chaque année, les membres de la famille royale britannique suivent un programme très précis le jour de Noël. Après une messe à l'église, ils sont invités à un repas à Sandringham, une propriété de la reine Elizabeth II, pour ensuite écouter la souveraine devant leur téléviseur à l'occasion de son discours. Kate Middleton est décidée à bousculer ce protocole bien huilé cette année. La femme du prince William ne supporte pas l'idée de voir les enfants âgés de moins de 12 ans manger dans une salle à part lors du repas de Noël. Kate Middleton et sa petite famille ne s'attarderont donc pas trop à table pour regagner au plus vite leur résidence dans Mayhall où le prince George, 2 ans et demi, et la princesse Charlotte, 6 mois, vivront un Noël beaucoup plus festif. C'est Carol Middleton, la mère de Kate, qui se charge du programme. La matriarche, un peu trop envahissante au goût de certains membres de la famille royale comme le prince Charles, confectionnera des cupcakes avec George et préparera une cuisine qui colle au thème de la journée. Il y aura surtout des cadeaux pour les deux enfants du couple princier, ce qui est interdit selon les règles de la famille régnante. Ce n'est pas de cette manière que Kate Middleton marquera des points auprès de la reine Elizabeth II, mais par le passé, la maman au grand cœur a démontré à plusieurs reprises qu'elle compte bien diriger sa vie et l'éducation de ses enfants comme elle l'entendait.